On dirait que Dany vient de marquer un but. Qu'est-ce que tu dis, Bertrand? Dany a pris ma balle. Attention, le sens de ma balle, c'est cette balle est la mienne. Cette balle est à moi. Bref, c'est ma balle à moi. Donc tu es sûr? C'est ta balle, Bertrand? Ta balle à toi? Tu es d'accord, Dany? C'est sa balle à lui? Elle est à Bertrand? Les petits mots « ma », « ta », « sa » sont des déterminants possessifs. Ils servent à dire à qui appartient un objet ou une personne. Au féminin singulier, on utilise « ma », « ta », « sa ». Du calme, Dany et Bertrand! Parlez chacun votre tour! Que dis-tu, Dany? C'est sa balle, mais c'est mon camion. Bien joué, Dany! On dit « un camion ». Au masculin singulier, les déterminants possessifs sont « mon »,« ton », »,« son ». Regardez. « Ta »,« ton ». Un déterminant possessif est toujours placé avant le nom auquel il se rapporte. Ça aide à le reconnaître. Tu as tout compris, Bertrand. Mais tu ne peux pas garder les deux jouets pour... Hé ! Vous n'allez pas vous disputer pour un jouet ! Sympa ! Bertrand rend son camion à Dany car ils sont amis. Est-ce qu'il y a un déterminant possessif dans cette phrase ? Bravo ! Son camion à lui. Tu te rappelles, Bertrand ? Dany t'a rendu ta jolie balle. Excellent ! Ta jolie balle à toi. Le déterminant possessif se place directement devant un nom, mais peut aussi se mettre devant un adjectif qui qualifie ce nom. Pour bien orthographier les mots, il faut bien regarder ce qui les entoure. Reste maintenant une question importante. Qui va conduire le camion ? Très chic ce chapeau melon, Bertrand. Tu ressembles à un vrai gentleman. Tu n'as pas l'air vraiment convaincu. Tu préfères peut-être ce chapeau? Alors si je comprends bien, Dany n'aime pas ce chapeau-ci. Et toi, Bertrand, tu ne veux pas de ce chapeau-là. Voilà la solution. Que dis-tu de cette casquette, Bertrand? Je te comprends. Ce n'est pas facile de choisir entre tous ces chapeaux. Tu as raison, Dany. Ces petits mots ont le même sens. Ils servent à montrer quelque chose à quelqu'un. C'est pour cela qu'on les appelle les déterminants démonstratifs. Logique. Ce est un déterminant démonstratif masculin. On dit un chapeau, donc ce chapeau. Au féminin, une casquette, donc cette casquette. Au pluriel, des chapeaux, ces chapeaux. Et s'il y avait plusieurs casquettes, on dirait des casquettes, ces casquettes. Regardez cet autre chapeau! Eh oui, cette est aussi un déterminant démonstratif masculin. Avec un T à la fin de ce, on peut faire la liaison. Cet autre chapeau. Cela sonne mieux à l'oreille. Et comme chapeau est un nom masculin, on écrit C-E-T. Baissez vos nageoires tous les deux! Yahoo! Au galop, mes petits poissons! Oh là là! Pas trop de casse? Debout, cow-boy! Pas facile de s'y retrouver entre ce chapeau-ci, cet autre chapeau-là, cette casquette-ci, tous ces chapeaux-là. Ajouter « si » et « là » permet de vérifier que ce, cette ou ces sont bien des déterminants démonstratifs. Qu'est-ce que c'est? Oh! Regardez ce casque rouge! Chapeau bas, Bertrand! Ce casque rouge-là. Le déterminant démonstratif se place directement devant un nom, comme dans « ce casque rouge ». Mais il peut aussi se mettre devant un adjectif qui qualifie ce nom. Ça alors! Tous ces jolis chapeaux qui s'en vont! Excellent! Ces jolis chapeaux-là. L'adjectif « joli » est avant le nom « chapeau ». Pour orthographier correctement les mots, il faut bien regarder ce qui les entoure. Que penses-tu de cette casquette verte, Dany? Ce serait parfait avec tes rayures.
Sacré look, mes petits poissons. Décidément, vous êtes les stars de l'aquarium. Alors, Bertrand, tu fais la sieste? Eh oui, tu ne peux pas faire la sieste et jouer en même temps. Il faut choisir. Dormir ou jouer. Je crois que Bertrand a pris sa décision, Dani. Bertrand, tu veux jouer avec le camion et le ballon? Les deux ensemble? Le petit mot « et » lie ensemble des éléments qui ont le même rôle dans la phrase. C'est pour cela qu'on l'appelle une conjonction de coordination. « Et » indique que les choses s'ajoutent. Bertrand veut jouer avec le camion et aussi avec le ballon. Dani n'a pas l'air d'accord, Bertrand. Bien vu, Dani. « Ou » coordonne deux éléments de même valeur. C'est donc aussi une conjonction de coordination, comme « et ». Mais « ou » a un sens très différent. Il demande de choisir le camion ou bien le ballon. Dani te demande si tu préfères jouer avec le camion ou avec le ballon. Mais toi, Bertrand, tu veux jouer avec le camion et le ballon. Tiens, une autre balle. Alors, Bertrand, préfères-tu la rouge ou la verte? Dani te demande si tu veux faire la sieste ou continuer à jouer. À toi de choisir, Bertrand. À force de vous disputer, Bertrand a envie de dormir. Et Dani aussi. Vous êtes tous les deux fatigués. Oh non, vous n'allez pas recommencer. J'en connais deux qui ne sont pas prêts de faire la sieste. Eh bien, Dani, tu es tout seul? Où est passé Bertrand? Il n'est pas ici. Mais non, ce n'est pas Bertrand. Ce ne sont que des bulles d'air. Ah, tu voulais attirer notre attention sur les accents sur « où » et « là ». Ces accents montrent que « où » et « là » sont des adverbes. Ils indiquent le lieu. Où est Bertrand? Il est là, dans le coffre au trésor. Une guitare? Un tuba? Chouette! Dani et Bertrand vont jouer de la musique. J'adore les concerts. Mais Bertrand, il ne faut pas taper dessus. Il faut souffler à l'intérieur. « Ah » avec un accent est une préposition qui introduit une indication de lieu. Bertrand doit retourner à sa place, à côté du coffre, et souffler à l'intérieur du tuba. La préposition « à » avec un accent peut aussi introduire d'autres informations. Par exemple, la guitare est un instrument à cordes. Et parce qu'on souffle à l'intérieur, le tuba est un instrument à vent. Je crois que Dani n'est pas content. Mais pourquoi es-tu si impatient? Le concert commence à midi. La préposition « à » avec un accent peut aussi donner des indications de temps. Pour être à l'heure, il faut commencer le concert à midi. Mais qu'est-ce que tu fais? Cette guitare est à Dani. La préposition « à » avec un accent peut aussi indiquer à qui appartient quelque chose. La guitare est à Dani et le tuba à Bertrand. « À »,« où » et « là » sont des mots invariables. Savez-vous comment on les reconnaît? Bravo, Bertrand! « À »,« où » et « là » ont tous les trois un accent grave, aussi grave qu'une note de musique au tuba. Est-ce qu'on peut entendre le concert maintenant? C'est super! Mes poissons s'intéressent à la musique. Dani s'est associée à Bertrand pour nous offrir ce superbe concert. Et je vous assure que ce concert plaît beaucoup à Sophie. Souvent, la préposition « à » avec un accent se trouve après le verbe et introduit le complément indirect du verbe. S'intéresser à quelque chose. S'associer à quelqu'un. Plaire à quelqu'un. Cette cacophonie a mélangé toutes les bulles. Bertrand, il faut faire quelque chose. Les poissons s'intéressent à la
la musique. Dany s'est associée à Bertrand. Et le concert plaît à Sophie. Ces verbes se construisent avec la préposition « à ». Vous êtes prêts pour le grand final du concert ?